Dear delegates, honorable chairs, members of the board, thank you for your participation, your dedication, and your hard work in Fermune 2020. As you may know, ITU1 is a trilingual committee consisting of 38 delegations and a very hard working trilingualism team with its admins, which was a real challenge, but an exceptional experience for everyone. We feel honored to have been given this opportunity, and we enjoyed it very much. Many important and critical issues were debated, and resolutions were passed. Our first issue aimed at establishing quality and accountability standards for the development of digital financial services. Nowadays, less than 1 out of 5 people have access to banks in developing countries, and even fewer use their accounts regularly. Yet, in order to build a sustainable and inclusive future, more people need access to financial services and the ability to use them. Providing digital banking services to a large number of people around the world could transform people's lives by giving them access to credit, long-term loans for housing or business needs, account savings, money transfer services, and other crucial financial services. But how do we protect these people, many of whom may be illiterate, against dishonest financial practices? How do we ensure that new clients become the beneficiaries of these new online financial services and not the victims? After some debating, we have passed a resolution promoting collaborations or partnerships in the training in the digital financial services sectors to create mutual investments, and proposing to help people who have trouble to use these new technologies by establishing educational centers to teach them how to use these financial securities. Télécharger un film de 2 heures prenait 26 heures avec la 3G, ce qui correspond à un vol entre le Mexique et la Suisse. Télécharger ce même film avec la 5G prend dorénavant 3,6 secondes. La deuxième problématique portait donc sur la 5G. Comment garantir une mise en place sûre, sécuritaire, éthique et durable de la 5G à l'échelle mondiale? Une problématique passionnante qui m'a occupé l'esprit pendant plus de 9 mois et qui a fait l'objet de discussions entre les délégués pendant 3 jours. Ce fameux réseau téléphonique que tout le monde appréhende est en fait bien plus qu'un réseau. Cette technologie très coûteuse peut s'avérer autant être prometteuse que dangereuse. De nombreux problèmes sont survenus. Qui est responsable lorsque le vaisseau vacille? Comment faire en sorte que les patients aient confiance à l'e-santé? Comment atteindre les objectifs des ODD avec la 5G dans un monde où l'achèvement de ces objectifs est crucial? Se poser ces questions revient finalement à remettre en cause la place de l'homme dans notre société qui devient de plus en plus connectée. Les délégués ont fait un travail de qualité. Sur les 2 résolutions que les délégués ont écrites, les 2 sont passées, proposant de créer un comité chargé d'établir une réglementation internationale progressive pour le déploiement de la 5G, d'utiliser des matériaux recyclables et d'énergie renouvelable dans le développement des infrastructures pour la mise en œuvre de la 5G, et enfin, d'accentuer la formation des utilisateurs aux questions d'éthique et de cybersécurité afin de minimiser au maximum les risques liés à son utilisation. Hola a todos. ¿Cómo están? Me llamo el patrón. Ya hemos compartido mucho durante estos 3 memorables días de conferencia, pero me gustaría dar un toque personal. Es la última vez que participaremos en Fermune. Es la última vez hoy que estaré en esta sala rodeado de jóvenes talentosos que anhelan cambiar el mundo para mejorarlo, que quieren implicarse para tener un buen futuro y aprovechar del poder que este evento les otorga. Perdón. Todos hemos escuchado alguna vez lo poderosa que puede llegar a ser nuestra voz si decidimos unirnos al diálogo mundial. En los últimos 3 días lo he escuchado.
lo he observado y es la cosa más poderosa de la que he sido testigo. As you may have noticed, Spanish is not my mother tongue. So I'll say the following in my native language so that it may come from my heart. Thank you so much to every single person that contributed and took time to make this event possible, to make today possible. Thank you. C'est pas fini. C'est donc avec honneur et joie que je peux enfin demander aux délégués, aux admins, aux interprètes et aux traducteurs du comité ITU1 de vous lever. This is your applause.